Salut tout le monde. Aujourd'hui, c'est mardi le 15e de mars de cette année 2022. Pour le jour d'aujourd'hui, mardi comme presque tous les mardis, c'est la conférence de presse réalisée par l'administration du gouverneur Fiscal dans l'État de Vermont des États-Unis. Pour le jour d'aujourd'hui, mardi, on veut entendre parler d'une matière que... Samedi, le 19e de mars de cette année 2022 qui nous approche, c'est le jour qui marque les deux années sur l'impact de l'étendue du virus corona dans la nation des États-Unis en général, aussi bien que dans l'État de Vermont des États-Unis. Depuis que l'étendue du virus corona a procuré les premiers cas de virus corona aboutissant à la mort des résidents dans l'État de Vermont des États-Unis. C'est pour ça que d'après gouverneur Phil Scott, pour la condoléance destinée à des familles de ces résidents dans l'État de Vermont des États-Unis. On dit que le gouverneur Phil Scott a dit qu'il va passer une commande pour obtenir des drapeaux américains afin de rendre hommage à la disparition de ces résidents dans l'État de Vermont des États-Unis.